En France, Marine Le Pen s'est dite soulagée d'avoir rassemblé les 500 signatures d'élus nécessaires pour s'engager dans la course à la présidentielle. La leader du Front National s'est exprimée ce mardi devant ses partisans rassemblés dans son fief du Pas-de-Calais. Elle a expliqué qu'une nouvelle phase de sa campagne s'ouvrait maintenant que l'obstacle des parrainages était levé. À partir d'aujourd'hui, des millions de citoyens vont reprendre espoir, pouvoir entrer dans la campagne et vont enfin être représentés à l'élection. J'espère me montrer digne de leur confiance. D'après les derniers sondages, la candidate du Front National arriverait en troisième position au premier tour de l'élection avec 16% des intentions de vote. Comme les autres personnalités engagées dans cette campagne électorale, elle a jusqu'à ce vendredi pour déposer son dossier auprès du Conseil constitutionnel qui donnera son feu vert dans la foulée.